Bonjour à tous les amis, c'est AdoPrestoxy, j'espère que vous allez bien, je vous souhaite une bonne année. Et donc, on se retrouve pour la séquence 10. Donc, il nous reste 3 séquences au total. Allez, go! J'ai dû filer. Tu avais l'air si paisible que je n'ai pas voulu te réveiller. Je t'aime, Elise. Quelqu'un va venir la chercher. Espérons-le. Attendez voir, attendez. Oh non, mais tout ça, c'est de la fiente. Initié, tu me reçois? Désolé pour tous ces parasites. Je n'avais jamais vu autant de distorsions. Ça ne me dit rien qui vaille. Que dirais-tu d'un nouveau boost avant que je perde la connexion? Je t'envoie les données. Ah, j'ai même pas ce qu'il faut. C'est quoi ça? Santé collègue. Ouais. On va attendre. Ok, accroche-toi. Tu touches au but. Nos recherches n'ont pas pu identifier la date ou le lieu de la mort de Germain. Il va falloir que tu les découvres toi-même. Bishop terminé. Reviens ici! Au voleur! Allons bon, quoi encore? C'est un voleur! Attrapez-le! Attrapez ce voleur! Mais pourquoi mais... Très bien, quelle agitation. Eh ben, c'est qui est loin ce ce point. C'est qui est loin cette mission. C'est qu'elle est loin. Oh.
Tu es sûr de vouloir faire ça? Pas vraiment, non. Mais le Marquis siège à la Convention en compagnie de Le Pelletier. Il pourra sans doute nous aider. Quelle attaque pourrait être la plus incisive contre la corruption du clergé? Cette nonne entraînant un prêtre dans la débauche ou un bénédictin sublimement membré sodomisant un bouc baptisé en l'honneur du pape? Nulle force sur terre ou dans le ciel ne pourra me forcer à vous répondre. Tu as raison, Arnaud. Allons pour le bouc. Bien. Que puis-je faire pour toi et ta charmante compagne? Louis-Michel Le Pelletier. Que pouvez-vous nous dire sur lui? Oh, ce cher Louis, un chantre de l'abolition de la peine capitale qui milite pour la mort du roi 2 ans plus tard. Où peut-on le trouver? J'ai bien peur que mes collègues députés ne recherchent guère ma société, sans doute en raison de mes réticences à faire décapiter des innocents. À propos d'innocence... Sade, Le Pelletier. Eh bien, il me semble qu'il prend ses repas dans un café proche du Palais Royal. Je pense que tu pourrais le trouver là-bas. Si ce n'est pas le cas, je reviendrai. C'est vrai? Dans ce cas, j'espère me tromper. Oh, que non. Une livraison de vin pour le palais. On emporte ça derrière. Cette fois, tâche de nettoyer ces vitres comme il faut. Sinon, monsieur Le Pelletier va me le faire payer. Bien, madame. Bonjour, citoyen Le Pelletier. Citoyen Talien. Thank you.
Pardon, mademoiselle. Monsieur Le Pelletier s'est plaint que son bureau sentait le renfermer. Pourriez-vous ouvrir la fenêtre? Qu'est-ce que vous racontez? Monsieur déteste les pièces aérées. Je comprends. Bonne soirée. Nettoie bien la saleté dans ça, les coins. Ça, c'est dommage. Monsieur Le Pelletier est très, très pointilleux. Bouge plus, avorton! J'ai un message pour toi! Il vaudrait mieux pour toi que ces carreaux brillent quand monsieur le fait. Ils ont changé la recette. Mais que nous faisons? Un con à la nouvelle recette pour un conseil! Essayez d'empoisonner mes clients. Désolé, monsieur. Arrête-toi ou je vais te découper les jambes à la scie. Je devrais appeler les gendarmes. Je vais le faire enlever dès le retour de Charles. Tu vas empoisonner. Et ensuite, du pain avarié? Pardonnez-moi. Approche! Ça fait au moins une heure que je n'ai cogné personne. Ça, ça peut être utile. À votre avis, que vont faire les Autrichiens? L'intention se protéger jusqu'à Orléans. Il n'y a jamais mémorable en livrant la ville de Paris à une exécution militaire et à une subversion totale. Ça va être tendu. J'ai qu'une entrée, a priori. Vas-y, va ailleurs, bonhomme. Vraiment? Pourquoi tout le monde va à la taverne l'autre soir? Figurez-vous qu'il prétend qu'on aurait forcé à prendre parti. Sac à main. Sac à main toi-même. Et là, bah les pattes. Tu m'as pris pour une bouquetteuse de la rue. C'est déjà dit, bien haut. Les dames, les dés pour leur cœur. Arrière! En arrière, bon sang! Personne ne m'échappe. Où tu vas?
Du balai. Ne pas t'enfuir. Ah, qui est là? Attends, je sais pas. Arrêtez cet homme. Un assassin. Oh. Avec vous, ne laissez pas s'échapper. Doit être perçu comme un criminel et un traître. Ça va être le bordel pour sortir. Ce n'est que lorsqu'il aura été exécuté comme un vulgaire brigand que nous présenterons au monde la vérité de Jacques de Molay. Présentez au monde les vérités qui vous plaisent, grand maître. Ce que je le fais pour le bien de la France. Vous aviez raison. Le roi Louis entretenait toutes sortes de relations répréhensibles. Citoyen Le Pelletier, à cet instant, nous comptons 360 voix pour l'exécution et également 360 pour la clémence. Quel est votre vote? L'exécution. Les voix ont été comptées, grand maître. Alors? Le roi va mourir. Je n'en ai jamais douté. J'avoue être impatient d'assister à la fin de la tyrannie. Je veillerai à ce que vous soyez bien placé. J'ai eu de la chance qu'il y avait une fenêtre ouverte. Hein. Et j'ai pas regardé combien il y avait de séquences. Maintenant, au moins, on sait que le roi, il va mourir. Bon sang, regardez-le. Il se passe quelque chose là-bas. Il nous cache quelque chose. Non, je cache rien, je cours. Comme Forest. Je suis sûr que vous me prenez pour quelqu'un d'autre. Ils sont en train d'amener le roi. Tu es sûr que Germain sera là? Oui, j'en suis certain. Alors qu'est-ce qu'on attend?
Séparons-nous. On couvrira davantage de terrain. Bah, qu'est-ce qui se passe ? Bonjour, Arnaud. Monsieur Germain. Ce n'est que justice que tu assistes à la renaissance de l'Ordre des Templiers. Après tout, tu étais là lors de sa conception. Monsieur de la Serre. Non, j'ai tenté de lui ouvrir les yeux. L'Ordre était gagné par la corruption, aveuglé par ses pouvoirs et ses privilèges. Mais vous, vous pouviez le réformer, le remodeler. Il suffisait d'en tuer le chef, c'est ça ? Non, la mort de la Serre ne fut que la première étape. Tu assistes à l'aboutissement. Innocent. Messieurs, je suis innocent de tout ce dont on m'inculpe.
Je souhaite que mon sang puisse cimenter le bonheur des Français. Le roi n'est rien de plus qu'un symbole. Les symboles inspirent la crainte, et la crainte inspire le contrôle. Mais les hommes finissent toujours par se défaire de leur crainte. Telle est la vérité pour laquelle a péri. Le droit divin des rois n'est rien de moins que le reflet du soleil sur l'or. Et lorsque la couronne et la mitre tombent en poussière, ce sont ceux qui contrôlent l'or qui forgent l'avenir. Devant la vengeance. Je dois prendre congé. Profite de cette journée. Tuez-le. Moi aussi, je peux fuir. Allez! Quelle belle entrée en scène! Qu'est-ce que tu fais? Rattrape-le! Je refuse de te laisser mourir. Laissez-le compter! Protégez le grand maître! Élise, il faut partir! Je m'occupe d'eux! Rattrape-le! Élise! Je vais t'avoir! Oh, tu sais pas! Rattrape Yerma! Dépêche-toi! Vite! Dépêche-toi! Il s'éloigne! Élise, non! Chance. Rien n'est perdu. Et confiance, nous retrouverons sa trace. Non, c'est fini. Tu crois qu'il sera négligent maintenant qu'il sait qu'on est sur sa piste? Tu avais une occasion en or de le tuer, et tu as refusé de la saisir. Pour te sauver la vie. Je n'ai pas besoin que tu me sauves. Qu'est-ce que tu veux dire? Je suis prête à tout risquer pour tuer Germain. Si tu n'as pas assez de courage pour te venger, alors je me passerai de ton aide. Élise! Élise! Et voilà, donc c'était la séquence 10, j'espère que ça vous aura plu, elle était plutôt rapide. Et bah moi je vous dis à tout à l'heure, ou à tout de suite, ouais, à tout de suite pour la séquence 11 et l'avant-dernière séquence. Allez, zoubi tout le monde.